Good morning, allez Yiden, les suisses aujourd'hui le Nishmat doivent venir auditer Eviataram Ram Ben Chedva, Chaya Esther Bet Miriam, Yitzhak Perez Ben Fortuna et Chaim Michael Ben Sultana. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Masechet Shabbat, Perek Yud Aleph, Mishnah Hey, Azorek Minayam la Yabasha, ou Minayabasha la Yam, ou Minayam la Sfina, ou Minasfina la Yam, ou Minasfina le Chaverta, Patur, Sfinot Kshurot Zuvazu, Metal Telin Mizolezo. Dans la Mishnah précédente, on avait parlé de la mère. Que la mère, elle n'a pas un statut de. Elle n'a ni un statut de Rishut Arabim, ni un statut de Rishut Arabim. Ça ne l'est pas considéré comme un domaine privé, bien évidemment. Elle n'a pas de Mechitsa, elle n'est pas délimitée. Donc ça n'a pas un statut de Rishut Arabim. Mais même un statut de Rishut Arabim, de voie publique, de domaine public, ça n'a pas le statut du domaine public. On avait appris que celui qui va jeter quelque chose dans 4 amot dans le rejet d'Arabie, il ne transgresse pas d'interdit de porter à Shabbat. Pourquoi? Parce que le domaine public, c'est pas. Il faut que ce soit une vaste étendue, mais qu'il soit fréquenté par des hommes. Il y en a même qui rajoutent la fameuse histoire des Shishim Ribo, de 600 000 personnes. Même si on ne considère pas qu'il faut que ce soit fréquenté par 600 000 personnes, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit Asui le Hilouch Arabim, fait pour que les gens marchent dedans. Maintenant, la Mishnah, donc, on reste sur ce din que la mère n'est pas considérée comme un Rishut Arabim. Et du coup, la Mishnah va renseigner, sache que Azorek Minayam la Yabasha, celui qui va jeter de la mer sur la Yabasha, sur le continent, sur le littoral, sur le bord de mer, par exemple, il a un bateau, il est arrivé au port, il va prendre quelque chose, il va le jeter du bateau jusqu'au Rishut Arabim. Ou encore, au Minayam Yabasha la Yam, ils vont lui faire le contraire. De là-bas, ouais, ou bien, je sais pas pourquoi j'ai pris qu'il était sur un bateau, on parle pas encore du bateau, excusez-moi. On parle pour le moment qu'il est encore dans la mer. Il est sur le bord, il est déjà rentré dans la mer, et il va jeter depuis la mer quelque chose sur la voie publique. Il ne transgresse pas l'interdit, parce qu'il n'a pas porté du Rishut Arabim au Rishut Arabim, ni du Rishut Arabim au Rishut Arabim. Il est venu du Carmélite au Rishut Arabim. Ou inversement, Minaya Basha Alayam, quelqu'un qui a été sur le bord, et il lui a jeté dans l'eau, il lui a jeté pour qu'il attrape, et il a jeté quelque chose et c'est tombé de nouveau. Ou encore, ou Minayam la Sfina. Alors là, on arrive au cas du bateau que je vous ai parlé. Donc il était de la mer jusqu'au bateau, ou Minasfina la Yam, ou encore du bateau jusqu'à la mer. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un qui était sur un bateau, quelqu'un qui était dans l'eau, ou peu importe. Il était sur le bateau, il a jeté quelque chose au-delà du bateau. Le bateau, vous allez me dire, apparemment, il est considéré comme un domaine privé. Apparemment, il a des mechitzot, on va en parler juste après. Il n'est pas considéré comme un domaine privé, lui aussi, lui non plus. Il y a quand même des halakhot un peu différentes, comme ce qu'on va voir. Mais, donc, il veut jeter de la mer jusqu'à la... du bateau jusqu'à la mer, ou de la mer jusqu'au bateau. Il ne transgresse pas non plus d'interdit de porter à Shabbat, ou bien encore notre cas, au Minas Final Achaverta, jeter d'un bateau à l'autre, comme ce qu'on va plus détailler tout de suite. Jeter d'un bateau à l'autre aussi, il ne transgresse pas l'interdit de porter à Shabbat du tout, de la Torah, il y a quand même des interdits, mais des rabbanan, parce que la mère, elle est considérée comme un carmélite, comme le fameux domaine intermédiaire, la veuve, entre la célibataire et la mariée. Et alors, la Mishnah continue en me donnant plus de détails pour porter d'un bateau à l'autre. Sfinot kshurot zubazo. S'il y a des bateaux qui sont attachés l'un à l'autre, c'est-à-dire, on a des bateaux qui, même, ils sont partis faire une promenade pendant Shabbat, bien évidemment. Prenez le cas qu'ils sont partis pendant 3 semaines pour voguer, mais ils ont attaché les bateaux ensemble. Ah, t'as attaché les bateaux ensemble? Eh bien, metateline misolazo, tu pourras porter d'un bateau à l'autre. Attention, chaque bateau est considéré comme un khatser, comme une cour privée. Or, porter d'une cour privée à une autre cour privée, il y a un interdit, mais des rabananes. Sauf si on fait un eruv. Le principe du eruv, alors, allez, je vous l'explique très rapidement. Ça va être dans ma Masechet Eruvin, on va parler longuement de ça. Le principe du Eruv, c'est de considérer, en fait. Chachamim ont fait un décret de ne pas porter d'un domaine privé à un autre domaine privé. Ils ont décrété ça, ça démarre depuis Shlomo Melech, de peur que tu vas commencer à faire sortir les choses de chez toi, à la fin tu vas te retrouver à porter dans le Rishut Arabim. Ils ont fait un décret. Mais ils ont donné aussi une solution pour porter, en faisant en sorte que vous allez faire un Eruv, littéralement Eruv, c'est-à-dire mélanger. Tu vas mélanger les deux propriétés de toi et de ton voisin, en disant que finalement vous êtes qu'une seule entité, comme dans une même maison, chaque membre de la famille a sa chambre, et bien finalement entre deux voisins, chacun il a sa chambre, c'est sa maison, mais en réalité tout vous appartient à tous les deux.
C'est le principe du Hérouv, de vous mélanger, que vous allez maintenant tout va vous devenir une seule grande entité, avec chacun après, il a ses petites affinités dans sa chambre, plus que dans l'autre. Et donc c'est le principe du Hérouv, et ça permet de porter entre deux cours. Du coup la Mishnah, elle me dit, s'il y a des bateaux qui sont liés à l'autre, il pourra porter dans l'autre. Le Bartanora me précise, attention, s'ils appartiennent à deux personnes, eh bien il faudra faire un Hérouv pour pouvoir porter entre elles. Mais malgré tout, même si tu fais un Hérouv, imenan kshurot, si elles ne sont pas attachées entre elles, afal pi chez mukafot, même si elles sont collées, mukafot ça veut dire, faut pas traduire en hébreu moderne, mukaf ça veut dire qu'il est encerclé en hébreu moderne, les hakif, faire le tour. Là, mukaf c'est en hébreu dans la Mishnah, mukaf c'est deux choses qui se touchent, ça s'appelle qu'ils sont mukaf. Ok? C'est fréquent dans le Tourmin Mina Mukaf et Shalomina Mukaf, dans la Sechet Tourmot, on en parle longuement. Mukaf, ça veut dire qu'ils sont collés, qui se touchent. Eh bien, la Mishnah me dit, sache que si elles ne sont pas collées, elles ne sont pas rattachées avec des cordes, même s'ils veillent à les laisser coller l'une à l'autre, ils les ont franchement bien rapprochées, malgré tout, Enmatatelin, Misolezo, ne pourra pas apporter d'un bateau à l'autre. D'accord? Et parce que, en fait, il nous rapporte ici, voilà ce que je cherchais, c'est le Tivat Israël qui va me dire, parce que finalement, tu vas porter, elles se sont collées à, apparemment c'est un seul domaine privé, vous avez fait un hérouve, il n'y a pas de problème, non, c'est pas vrai, il y a un problème. Parce qu'il va y avoir un moment où, chez Ifrechou, mais à Dadé, elles vont se séparer un petit peu, c'est pas possible de rester collées tout le temps, vous n'avez pas commencé à prendre la mer en restant collées tout le temps. Il y en a une qui va prendre un peu plus d'avance, qui va s'écarter, et là, qu'est-ce que vous allez avoir entre les deux? Un carmélite, un domaine où c'est interdit de porter Midera Banane. Et au moment où il va y avoir ce carmélite qui va venir, et bien il s'avère que ton hérouve va s'annuler totalement. Le principe du hérouve, il est de considérer que tout ça comme une grande propriété. Une grande propriété qui se sépare en laissant le rejet d'Arabim rentrer entre deux, ça ne peut plus être un hérouve. Et c'est le principe, en fait, de nouveau qui se passe. D'accord? Le partenaire, je vous lis le Tiferet Israël. Dire chez Ifrechou, Mehadadé, lorsqu'elles vont. Le Bartanoï, il me dit, en fait, je ne sais pas pourquoi je cherchais aussi loin. Le Bartanoï, il vous dit, Dechim ifreshe bad me'adadé, car lorsqu'elles vont se séparer l'une de l'autre, carmélite mafseket benem ou batel aérouv, il va y avoir un carmélite, ce domaine public, midera banan, qui va venir séparer les deux domaines privés, qui vont, donc c'est plus un seul domaine privé, ou batel aérouv et le aérouv va s'annuler ainsi. Il ne va plus avoir tout le principe du aérouv, c'est considérer tout ça comme une grande pièce, il n'y a plus une grande pièce puisque vous avez un fossé entre vous deux. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.